Bravo. Bonjour. Levez-vous. Mon ami. Le président de Zan, s'il vous plaît. Oui. Un candidat. Non, merci, chers journalistes. La presse, vous pouvez nous permettre maintenant de continuer les opérations. Il y a trois niveaux d'intervention. L'élève lui-même, ses responsabilités, et ça c'est le plus important. Deuxièmement, c'est la partie publique, le gouvernement. Et la troisième partie sont les parents. Ce sont ces trois entités qui doivent se donner la main pour travailler ensemble, pour arriver à un résultat acceptable s'il n'est pas meilleur. Alors c'est le message là que nous avons passé. Nous avons aussi attiré leur attention que même si ces trois entités travaillent ensemble, mais c'est eux, les élèves, qui sont au centre du dispositif. Et je ne vais pas m'empêcher de féliciter les parents, au nom du président de la transition, le chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, féliciter les parents pour la progression fulgurante de la scolarisation des jeunes filles. Ça, c'est une avancée extraordinaire. La plus grande partie de notre retard est due à cela. L'exclusion d'une partie importante de la population, c'est-à-dire les femmes. En tout cas, cette fois-ci, vraiment, les filles sont à 47%. Ça doit continuer. Merci beaucoup. Quel est votre constat sur le dispositif? Ah non, c'est le lieu de féliciter le ministre Guillaume. Oui, c'est le lieu de le féliciter. On sent le sérieux, on sent le travail qui a été fait en amont. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de quiproquo, il n'y a aucun couac. Et j'ai été élève, mais je sais. Et j'ai été enseignant, je sais ce que ça demande comme travail. Donc c'est le lieu de le féliciter et de féliciter le chef de l'État et le Premier ministre qui sont à la commande de tout ça. Voilà, merci à vous. Les examens nationaux continuent. Nous avons commencé par le certificat d'études élémentaires et nous avons fini le certificat d'études élémentaires dans de très bonnes conditions. Ce matin, nous avons lancé les premières épreuves, n'est-ce pas, du BEPC au niveau du centre du Collège 2 de Bonfils. Ce centre de collège 2 de Bonfils qui a abrité le premier lancement avec la présence de trois ministres de notre République, n'est-ce pas, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Énergie et monsieur le ministre des Travaux publics. Et ce centre qui a abrité donc ce lancement, les statistiques au niveau de la commune de Matam, il y a le total, c'est 4961 pour un effectif de filles de 2326 filles. N'est-ce pas? Ce sont ces 4000 là qui sont repartis au niveau des 10 centres de Matam. À Matam cette année, pour le BEPC, il y a eu 10 centres d'examen. Les surveillants, les rigueurs, tout cela, ça n'a été qu'une continuité. L'année dernière, nous avons fait un examen sans fraude. Cette année encore, nous sommes dans la même lancée. Et c'est l'occasion de remercier le ministre de l'enseignement préuniversitaire, le ministre Guillaume Hawing, qui a mis tout à l'heure. Vous avez une particularité cette année. Vous trouverez qu'au niveau des feuilles, il y a un code qu'on appelle le code QR, qui permet, n'est-ce pas, la sécurité, quand je dis la sécurité des examens, de détecter toute fraude liée à ces feuilles d'examen. N'est-ce pas? Il y a eu l'installation de certaines caméras de surveillance dans certains centres. N'est-ce pas? Donc tout cela, c'est pour avoir un examen crédible et accepté de tout le monde. Je vous remercie.